Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais m'excuser du retard que j'ai. C'est vrai que la campagne elle est vraiment abondante en termes de réunions et comme je n'ai pas cette réunion au niveau de la région Bretagne et du périmètre des trois régions de l'Ouest, j'arrive de Paris sur un autre débat sur les questions agricoles et agroalimentaires dans le cadre de, je veux dire, d'un... La question qui nous touche énormément, c'est la question de l'usage des antibiotiques dans l'alimentation animale. Alors vous me direz pourquoi tu abordes cette question des antibiotiques alors qu'on est en train de discuter des élections européennes et qui vont avoir lieu dans quelques jours, qu'on est à la dernière ligne droite. C'est parce qu'effectivement, la question de la politique agricole et des modes de production en agriculture impacte considérablement notre alimentation. Et si aujourd'hui nous sommes l'une des régions au monde qui consommons le plus d'antibiotiques et le pays qui était à troisième place en termes de consommation des pesticides, c'est parce que le système hyper intensif qui ne répond pas aux attentes des citoyens mais qui correspond aux attentes de certains grands leaders de multinationales qui sont en train de contrôler l'alimentation. C'est parce que cette économie de concurrence nous amène aujourd'hui à discuter de quelques parts de marché qui passent avant la santé, avant l'environnement et avant un certain nombre de choses. Et c'est évident qu'à travers ce qu'a dit Pascal, je suis intimement convaincu que TAFTA ne pourra pas se mettre en place. C'est impossible aujourd'hui qu'on puisse résister à un phénomène aussi violent qui consisterait à laisser dans les mains de quelques multinationales un marché de plus de 500 millions d'habitants qu'est l'Union européenne et un marché où on va nous imposer le bœuf aux hormones, les OGM, toutes les techniques de production les plus alarmantes pour l'humanité. Et ça, effectivement, même les plus libéraux chez nous sont en train de se rendre compte que TAFTA, ce serait un véritable raz-de-marée. Et je vais vous faire une confidence. Il y a quelques jours, je ne crois pas que je suis un des plus intimes des chambres d'agriculture, et en particulier de la Bretagne. Et la chambre d'agriculture régionale a suivi un vœu qui était porté par les collègues de la Confédération paysanne pour dire non à TAFTA. Et oui, c'est les mêmes, rappelez-vous, en 2003, qui demandaient le découplage des aides à l'agriculture, c'est-à-dire le mécanisme d'application des aides aux plus gros producteurs, en clair, pour faire court, afin d'être compétitifs pour le marché mondial, qui, 11 ans après, sont en train de se rendre compte que dans le marché des dinosaures, ils ne sont peut-être pas les plus grands, les plus compétitifs, et ils sont en train d'utiliser à quelques jours, à quelques semaines près, le double langage, libre pour gagner et protégé pour ne pas perdre. En même temps, ils demandent des aides pour mettre en place une usine en production laitière à Calais, vous savez, dans ce bastion où on porte vraiment des réflexions à hauteur de ce qu'attendent les gens au niveau de la société, c'est-à-dire c'est vraiment là qu'on est en train d'accompagner les grands acteurs, les vrais patrons des multinationales pour dire demain, eh bien, il faut absolument qu'on continue dans cette voie du marché libéral. Et en même temps, eh bien, on nous dit effectivement, si TAFTA se mettait en place, c'est des pans entiers de l'économie et en particulier de l'agriculture, une agriculture d'exportation qui serait menacée. Donc, je crois qu'il y a là aujourd'hui une prise de conscience et à travers toutes les réunions qu'on a faites ces derniers jours, ces dernières semaines, partout, on a eu des débats très intéressants avec des salles nombreuses où à la fois, effectivement, on sentait une mobilisation très forte pour dire on n'en veut pas. Et ce soir, moi, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin avec vous. C'est de dire on ne veut pas cet accord multinational ou transnational. Mais ce qu'on veut aussi, c'est de faire en sorte qu'au niveau européen, on soit capable de réécrire
une politique agricole et alimentaire, celle que nous voulons, celle qui a partiellement échoué depuis quelques dizaines d'années, mais une politique agroalimentaire que nous voulons, celle qui est capable d'employer, de préserver et, j'allais dire, de participer en quelque sorte au refroidissement de la planète. Oui, l'agriculture, en pratiquant des méthodes différentes, respectueuses de l'environnement, en organisant ou en installant des productions pérennes, eh bien, l'agriculture peut participer au refroidissement de la planète. Et là, on a fait un certain nombre de propositions pendant la campagne, et c'est vrai qu'on attendait à ce que ces propositions soient contestées beaucoup plus violemment. Et moi, j'étais très surpris parce que j'ai discuté avec des salariés de l'agroalimentaire, en particulier dans le Nord Finistère, et quand je reparle de relocalisation de la production, quand je dis aujourd'hui, au lieu de mettre 9 milliards, un peu plus de 9 milliards chaque année au niveau du budget de la politique agricole au niveau national, si on mettait 50% de cette somme pour relocaliser l'alimentation et organiser une agriculture différente, eh bien, je n'ai pas eu des levées de bouclier jusqu'ici. Quand nous, on explique qu'une partie des aides à l'agriculture sont des aides toxiques, parce que les aides qui vont aux grandes exploitations et servent à déménager la campagne, à acheter du matériel produit à l'extérieur, à continuer à casser les talus, à continuer à approvisionner l'agroalimentaire à bas prix, quand on dit effectivement cette même somme d'argent, si on la réutilisait, on pourrait faire des choses extraordinaires. Les grands producteurs ne doivent pas considérer ces aides comme un avantage acquis. Les aides, ce sont des fonds publics. Il faut absolument qu'on avance vers une légitimité des aides à l'agriculture de façon à réorienter le système. Et ça, aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Notre message, il est enfin entendu. Et donc, ce soir, moi, j'ai envie de donner vraiment un message d'espoir. On sera, j'espère, au niveau des Verts européens et au niveau d'Europe Écologie, au niveau national, suffisamment nombreux pour porter ce message et pour dire on a envie de construire dans les 5 et 6 ans qui viennent quelque chose de nouveau. Et ça ne peut pas se faire par la Commission européenne, ça ne peut pas se faire par les décideurs nationaux qui tiennent en permanence le double discours en ce qu'ils entendent ici, en ce qu'ils veulent faire ici, et le discours qu'ils tiennent au niveau européen. Vous savez, c'est toujours de la faute de l'Europe. Alors, comme l'expliquait Pascal tout de suite, l'Europe protège beaucoup plus que ne protègent les États. Ce sont les États aujourd'hui qui régulièrement sont en train de demander, je veux dire, des dérogations, et qui, plus que la France, demandent en permanence des dérogations, en particulier dans le domaine de l'environnement. L'application de la directive cadre au niveau européen, mais on ne sera pas prêt en 2015. Donnez-nous jusqu'en 2022. Et quand on arrivera en 2022, on nous dira, mais c'est trop tôt, donnez-nous jusqu'en 2027. La France, c'est le pays en permanence des demandes des dérogations. Et nous voulons aujourd'hui dire le contraire. Il faut absolument qu'on ait une Europe qui protège, une Europe qui donne la possibilité d'expression au niveau des territoires, une Europe qui construit, et pour nous, effectivement, dans des zones, dans des régions à forte implantation agricole et agroalimentaire, nous ne voulons plus des aides de l'Union européenne pour donner à deux entreprises qui exportent du poulet à l'autre bout du monde, qui vont casser les agricultures vivrières. Eh bien, je vote l'Europe Écologie Les Verts. Oh, okay.